Maintenant, simplement pour adorer Dieu, parce que c'est vrai, quand il descend, il fait des choses, il agit, il laisse personne indifférent. Élève simplement ta voix 2 minutes pour l'acclamer, pour l'adorer, pour lui dire à quel point tu es reconnaissant. Alors que toi, tu restes dans la salle, lui, il part pas, il reste ici, il prend plaisir à ta présence. Saint-Esprit, nous t'accueillons, tu es bienvenu dans nos cœurs maintenant. Tu as déjà commencé à nous remplir, fais-le encore,
fais-le encore et encore. Bénis celui qui apporte ta parole. Remplis nos cœurs, aide-nous à comprendre. Aide-nous à vivre, Seigneur, ce que tu veux qu'on vive. Et nous sommes tellement heureux, nous voulons t'acclamer, Jésus, parce que ta personne est magnifique. À toi la gloire, Seigneur. Je vous invite à prendre place aujourd'hui. On a la joie d'avoir avec nous le pasteur Laurent Ruppi et sa femme Claire. Claire, c'est une des meilleures amies de ma femme depuis que vous êtes petite, je crois. Laurent, je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît. Il est pasteur à Paris, à l'église Impulsion. Et vraiment, on est honorés de les avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez montrer, juste en applaudissant, à quel point vous êtes honorés? Bienvenue. Vous êtes vraiment les bienvenus. Eh, bonjour à tous, c'est Melka. Est-ce que ça va bien? Et je voudrais honorer ce gars, pasteur Jean. Il est juste extraordinaire. Et comme l'a dit tout à l'heure, pasteur Paul Goulet, regardez comment il est beau, comment il est classe. Oh, et Delphine dit amen. Toi aussi, t'es classe, Delphine. C'est elle qui m'habille, c'est pour ça. Oh, et je suis super honoré d'être là avec vous. Et votre église est légendaire. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, vous venez ici dimanche après dimanche, mais vous devez comprendre que votre église est légendaire, que vous êtes en train de changer l'histoire de l'église dans la francophonie. Alors, est-ce que tu peux célébrer la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, hé, hey, tu changes le monde. Dis ça à ton voisin. Ok, alors je ne sais pas si vous le savez, mais vous le savez ici à MLK, c'est qu'à l'église, on peut entendre des bonnes nouvelles. Vous savez ça ou pas? Parce que c'est le lieu où on doit entendre des bonnes nouvelles. Moi, une fois, j'étais dans une église, et un pasteur qui était là, spécialiste sur l'histoire des gens à l'époque de Jésus, il a dit quelque chose, pour moi, ça résonne de manière très, très positive. Pour certains, si vous n'allez pas comprendre, mais il disait que les hommes, à l'époque de Jésus, avaient une taille moyenne d'environ 1m65. Et moi, j'étais là, j'ai entendu ce message. J'ai dit, quelle bonne nouvelle pour moi. Quelle bonne nouvelle pour moi. Jésus faisait à peu près 1m65. Oh là là, moi, je suis à peu près 1m80, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, vous êtes dans une série qui s'intitule « À l'écoute de Dieu » et je voudrais apporter ma pierre à l'édifice et contribuer à cette série. Mon message aujourd'hui s'intitule « Les eaux calmes ». Alors, on va lire ensemble dans Luc au chapitre 10, Évangile de Luc au chapitre 10, et on va parler des eaux calmes à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Luc 10, 38, 42, ça s'affiche à l'écran. Un texte qui est bien connu, mais voici ce que nous lisons ensemble. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci va s'asseoir au pied de Jésus et écouter. Dites avec moi, écouter. Écouter à l'écoute de Dieu. Elle écoutait. Dites avec moi, écouter. Elle écoutait, elle recevait, elle téléchargeait ce que Jésus lui disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une qui soit vraiment nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » On va accueillir encore une fois le Saint-Esprit. Il est dans ce lieu. Je voudrais qu'on puisse se lever. Est-ce que ça vous dit de vous lever? Oh, lève-toi. Ok. Et juste mon ami au piano, il est tellement loin, cet homme. Quel est ton prénom? Gauthier. Oh, t'es super. Est-ce que tu peux nous conduire dans un flow comme ça, juste de louanges? Et on va accueillir encore le Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Hein? Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit? Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Alors, on va lui dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, on t'accueille. Sature ce lieu de ta présence. Viens flotter ici. Change l'atmosphère de nos vies. Certains sont venus avec des soucis, avec des lourdeurs. Change l'atmosphère maintenant de leur vie. Change leur mentalité. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta plénitude. Libère l'amour du Père. Et trempe-nous dans la présence merveilleuse de Jésus. Réveille-nous Jésus. Nous sommes venus pour rencontrer Jésus, pour voir Jésus, pour être saturé du Saint-Esprit.
juste pendant peut-être quelques secondes, juste élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, Église, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, fais-le en français, fais-le en esprit, mais juste élève ta voix. On a un temps, juste accueille l'Esprit de Dieu, accueille le merveilleux Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui, comme pour dire tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Présence, Seigneur, waouh, 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 merveilleux Saint-Esprit, libère la présence de Jésus, fraîche révélation de Jésus dans ce lieu, alors que nous t'accueillons, waouh. Seigneur, nous attendons aujourd'hui à te rencontrer, à te voir, à te toucher, à te connaître. Et alors que nos cœurs sont ouverts, tu cours vers nous et tu nous rencontres. Tu vas rencontrer chaque situation, chaque personne, chaque problème, chaque souci, chaque couple, chaque famille dans ce lieu. Alors que nous t'appelons Esprit de Dieu, nous appelons le ciel sur la terre comme nous l'avons chanté. Et le ciel est transféré maintenant ici dans ce lieu à Créteil, dans le nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église déclare amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans ce lieu? Waouh, on peut prendre place. Merveilleux, merveilleux. Alors c'est l'histoire de Marthe et Marie, et ces deux femmes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mais laissez-moi commencer avec ceci. Il y a environ 2 ans de cela, il y avait des travaux sur le RER A, d'accord? Et moi c'est une ligne que j'emprunte beaucoup, et si vous n'êtes pas de l'Île-de-France, c'est la réalité ici des transports à Paris. Et là j'étais là, tranquillement dans le métro, dans le RER, et j'avais mon casque sur la tête, en train d'écouter de la musique tranquillement. Et je sais pas combien de temps, et je me suis tranquillement, tu sais, endormi en train d'écouter de la musique, c'était tôt le matin. Et je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais au bout d'un moment, je sens une main qui me touche. Toc, 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 toc. Alors j'ouvre les yeux, j'ouvre un œil, j'ouvre un deuxième œil, et je vois à côté de moi une dame qui travaille ici au niveau des transports à la RATP. Alors je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit monsieur, il faut descendre. Je dis mais moi je descends pas là, on est à la Défense, et moi je vais à Aubert. Et elle me dit monsieur, il y a des travaux et le train s'arrête ici. Je dis mais madame, ça fait quand même, c'est bizarre. Je prends tous les jours ce train et j'ai rien entendu, pas d'annonce, rien du tout. Et là vous me dites que le train s'arrête ici. Et ça faisait un bon moment en fait que je dormais. Et elle me dit monsieur, ça fait à chaque station il y a des annonces pour dire qu'il y a des travaux et que le train ne va pas plus loin. Vous savez quel était le problème? Le problème c'est que j'avais de la musique. Ok. Et j'ai rien entendu, j'ai rien écouté, parce que j'étais connecté à autre chose, j'avais du bruit dans ma tête, j'étais fatigué, c'était le matin, et j'écoutais absolument pas la petite voix de la dame de la RATP qui me disait qu'il fallait descendre là. Tu comprends ça ou pas? Tous les Parisiens comprennent, d'accord? Mais il fallait descendre. Le truc, c'est qu'avec Dieu, parfois, c'est ça. Tu sais, Dieu veut te parler, parce que Dieu est un Dieu profondément relationnel. Dis avec moi, Dieu est relationnel. Et Dieu veut te parler. Il faut que tu croies et que tu saisisses que Dieu désire te parler. Que Dieu est un papa, qu'il t'aime. Il s'appelle Abba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire papa. Ça veut dire papa. Des fois on dit peur. Mais en fait c'est papa. Tu comprends ça? Et papa veut te parler. Moi quand j'arrive dans un endroit, il y a mes enfants, je veux qu'ils sachent que je suis là. Alors je prends mes enfants dans les bras, c'est mon langage d'amour. Je les embrasse. Des fois mon fils me dit non, 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 papa. Je l'attrape. Je lui fais plein de bisous parce que je veux qu'il sache que je l'aime. Et ton père t'aime et il veut te parler. Il veut communiquer avec toi. Il a quelque chose à te dire. Mais. Il faut prendre le temps de l'écouter. Et il faut passer de la performance à présence. Dites avec moi, il faut passer de performance à présence. Marthe est une femme extraordinaire. Elle aime Dieu de tout son cœur. Et la pauvre Marthe, elle était parfois, vous savez, un peu brutalisée dans les églises. On dit, Marthe, il ne faut pas être comme Marthe. C'est pas une bonne femme. Elle n'a rien compris à Jésus. Il ne fallait pas être là. Et moi, le cœur de Marthe est pur. Elle aime le Seigneur. Et moi, j'aime dans l'église de voir qu'il y a des Marthes.
Il y a des gens qui se donnent, qui s'offrent, qui servent, qui sont à fond pour Dieu. Et ça, c'est super bon. Mais le truc, c'est que si tu vis ta vie constamment en mode performance, 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 faire, 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 c'est comme si tu avais ton casque sur les oreilles et tu ne peux pas entendre ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu ne désire pas simplement performance, Dieu désire présence. Et il veut, et c'est ce que Marie a fait. La Bible dit que Marie s'est assise au pied, de Jésus et elle a entendu ce que Jésus avait à lui dire. À ce moment-là, dans ce moment précis, ce qu'il fallait faire, c'était s'asseoir en présence de Jésus, en présence de Jésus, en présence de Jésus. Et écoutez ce que Jésus avait à dire. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que parfois, on a besoin de s'asseoir en présence de Dieu et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Être avec Jésus, c'est quoi? C'est prendre le temps de s'asseoir au pied de Jésus. C'est ne pas faire, mais laisser Jésus nous parler et l'écouter. C'est l'aimer, c'est l'entendre, c'est recevoir le message qu'il a pour nous. Et en fait, on appelle ça être dans les eaux calmes, être dans la présence de Dieu, goûter à son amour. Et on appelle ça également soaking, c'est l'art de tremper dans la présence de Dieu. Je voudrais qu'on aille directement et qu'on aille voir ensemble ce que j'appelle soaking. En anglais, ça veut dire tremper, plonger. Et tu dois plonger dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment plonger ici? Il y a des gens qui font de la plongée? Ouais. Alors, plonger, tu sais, tu peux voir des choses que tu peux pas voir juste en surface. Tu as besoin d'aller en profondeur. Moi, je viens de l'île de la Réunion. Est-ce qu'il y a des Réunionnais dans la salle? Oh, il y en a quelques-uns. On gagne saucisse qui arrive au live. Alors, à la Réunion, c'est extraordinaire. Il y a de merveilleux poissons et tout. Mais le truc, c'est que si tu vas juste, tu restes juste en surface, tu peux rien faire, tu peux rien voir. Alors, tu as besoin d'aller en profondeur. Tu as besoin de plonger pour voir les richesses de l'océan, de voir la beauté de l'océan. Et tu sais, avec Dieu, c'est pareil. Des fois, tu sais, c'est bon juste, tu sais, de servir Dieu, d'être à fond pour lui. Mais il y a des moments où Dieu te dit, hey, plonge, viens voir avec moi, viens dans les profondeurs de ma présence parce que je veux te montrer ma beauté, mes splendeurs. J'ai des secrets, j'ai des choses extraordinaires à te dire. Et Dieu qui t'aime, Dieu qui est ton papa, a des secrets à te révéler. C'est pas juste, tu sais, pour des grands noms, pour des vedettes du monde chrétien. C'est pour toi. Tes fils et filles, vous êtes là? Tes fils et filles. Et Dieu veut te révéler les profondeurs, les secrets de son amour. Alors c'est tremper dans la présence de Dieu. On va aller plus loin, on va ouvrir un peu ce sac et découvrir ce qu'il y a dans le mot soaking. Premièrement, qu'est-ce que le soaking? C'est un mot anglais qui signifie tremper, plonger dans la présence de Dieu. Soaking, c'est mariner. Tu sais, c'est mariner dans la présence de Dieu. C'est plonger dans sa présence. C'est pas juste faire, mais c'est le laisser faire. C'est goûter à son amour. Laissez-moi vous présenter Monsieur Éponge. Monsieur Éponge est un peu tendu, vous trouvez pas? Il est dur. Oh, Monsieur Éponge, t'es dur. Il n'a pas bonne mine, Monsieur Éponge. Je sais pas comment a été sa journée. Je sais pas comment a été sa semaine. Je sais pas comment a été sa vie. Peut-être qu'il a des soucis. Peut-être qu'il a vécu des drames. Peut-être qu'il a vécu des paroles de mort. Tu sais, toutes sortes de choses qu'il a pu recevoir. Peut-être qu'il a vécu toutes sortes d'abus et de choses de destruction dans sa vie. Puis ça le rend tendu. Vous avez déjà vu ici, à Paris, en banlieue parisienne, des gens tendus? Non, il n'y en a pas. Pas à Créteil, pas à Créteil. Et on arrive lundi matin, tout arrive. Oh, t'as été à Melka. Transfert entre ciel et terre. Tu sais, t'es à fond pour Jésus. Tu te souviens du culte du lendemain. Puis là, t'arrives, tu prends le métro ou tu prends ta voiture, t'es sur le périph. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens tendus. Ah! Monsieur Éponge, tu comprends ça? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que toi-même, ça te tend. Ah! Tu deviens monsieur, madame Éponge. Ah! Tendu, les soucis, etc. Et le truc, c'est quoi? C'est que comment faire en sorte que Monsieur Éponge se détende un peu? Alors comment on fait? Il a besoin de tremper un peu, Monsieur Éponge. Alors on trempe un peu, on trempe. Oh, ça va un peu mieux, Monsieur Éponge, hein? Mais pas totalement, juste les pieds, Monsieur Éponge. Il a besoin de tremper un peu plus, Monsieur Éponge, dans la présence de Dieu, de plonger un peu plus dans la présence de Dieu. Plonge, Monsieur Éponge, n'aie pas peur, plonge. Plonge. Oh! Hé, Monsieur Éponge, il a l'air beaucoup mieux, hein? Hé, il a l'air tout à fait détendu.
tout à fait malléable, bien mieux qu'auparavant. Tu vois, soaking, c'est ça. C'est tremper dans la présence de Dieu. C'est plonger dans son amour. Voici la base biblique de ce que je vous enseigne. On va regarder quelques textes ensemble. Est-ce que vous aimez la parole? Ouais, hein? On va lire ensemble. Regardez ceci dans le psaume 23. Psaume 23, versets 1 à 3. Ça dit ceci. L'Éternel est mon berger. Waouh! Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, les eaux calmes. Et il restaure quoi? Il restaure mon âme. Des fois, notre âme, elle est quoi? Elle est tendue. Il y a des soucis, il y a des tracas. C'est les études, c'est le boulot, c'est la famille, c'est peut-être tout ce que tu as vécu, les paroles de mort. Et alors, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te reposer dans la présence de Dieu. Tu as besoin de te détendre. Ça, c'est le concept même du Shabbat. On a oublié ça. Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais il nous a donné un exemple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détendu, il s'est reposé. Et le Shabbat, c'est pas simplement, tu sais, prendre un jour pour faire tes loisirs. C'est prendre un jour pour méditer sur le cœur, sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est être transformé par le Seigneur lui-même. Tu comprends ça? Alors tu as besoin de te reposer dans la présence de Dieu, de te détendre dans son amour. Tu as besoin d'écouter ce que Dieu a à te dire. Jésus était profondément connecté à son Père. Et la raison pour laquelle il était capable de donner des paroles, d'influencer, de bénir, de transformer les cœurs, c'est parce que tôt le matin, il allait se reposer dans la présence du Père. Il téléchargeait le cœur et l'amour de Dieu. Il se reposait dans la présence de son Papa. Et le Saint-Esprit était là, il lui donnait le programme de la journée. La Bible dit ceci, que Jésus ne faisait rien sinon en obéissance à son Père. Et tout ce que faisait Jésus était en obéissance à ce que le Père lui disait. Il rechargeait son cœur par les paroles et par la pensée du Père. On va plus loin maintenant. Deuxièmement, c'est là, Emelka? Alors deuxièmement, une pratique à contre-courant. On vit dans une société où c'est toujours rapide, 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 rapide. Mais tu dois passer du busy, c'est rapide, toujours occupé, au basique, aux fondamentaux. Tu dois passer à l'activité, de l'activité à l'arrêt. Et des moments, il faut juste savoir s'arrêter pour goûter à l'amour et à la présence de Dieu. Le truc, c'est que notre société nous dit le contraire. Il faut toujours faire, toujours agir. Production, faire, suractivité. Et on a été structuré pour faire. Tout jeune, tu dois bien travailler à l'école. Tu dois être le premier. Tu dois. Et tout ce que t'as appris, c'est être structuré pour faire. Et c'est bon. Mais il y a des moments où il faut s'arrêter. Tu sais, les moments où j'ai le plus de pensées, de rêves, toutes sortes de choses. Tu sais, c'est quand je m'arrête, je prends un café. J'aime ça, j'aime aller au Starbucks. Puis je prends un café. Et là, tu sais, je me détends, j'écoute de la musique, j'écoute de la louange. Et tu sais ce qui se passe? J'écoute Sam Olivier. Et j'écoute la louange. Et là, tu sais, je reçois la part du Seigneur. Et là, j'ai des pensées, j'ai des rêves, j'ai des révélations, j'ai toutes sortes de choses. Et je les écris. Parce qu'il faut savoir s'arrêter. De la vie, ça ne marche pas. Tu veux recevoir de la part de Dieu. Prends un temps, arrête-toi, télécharge le cœur de Dieu. Ça, c'est soaking, c'est être avec Dieu. C'est parfois même à contre-courant. Tu sais, même du christianisme. Bien, christianisme s'appelle le légalisme. C'est le faire. Tu dois faire pour plaire à Dieu. Ça, c'est un mensonge. Si je ne fais pas, Dieu ne m'aimera pas. Et parfois, tu sais, tu as appris comme ça par ton éducation, par ta famille, par tes parents. Je dois faire et faire et faire. Et Dieu te dit stop. Peu importe que tu fasses ou que tu ne fasses pas, je t'aime. Et je veux que tu reçoives mon amour. Alors c'est ça, c'est la théologie du succès, de la performance, d'être quelqu'un. Et dans le ministère, c'est ça. Parfois, on est toujours occupé. Des fois, tu sais, je suis obligé, je mets mon téléphone en mode avion, toujours. Parce que sinon, j'ai constamment des messages, des trucs. Alors, j'en peux plus. Tu comprends ça? J'en peux plus. Alors, je mets mon téléphone en mode avion. Parce qu'il y a toujours des trucs à faire, des choses à gérer, counseling, organiser, gérer. Moi, j'ai peur de tout ça, tu comprends ça? Alors, du moins, j'ai juste besoin d'être dans la présence de Dieu, Seigneur. Juste la présence, être contre-courant. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de soi. Troisièmement, c'est une pratique pour l'intimité. On a besoin de l'intimité de Dieu. Je vais vous raconter ceci. Quelques temps de cela, je suis en temps de prière. Et là,
je commence à louer le Seigneur comme j'en ai l'habitude de faire. Alors je commence à parler, tu sais. Ça, c'est mes réflexes, je parle, Seigneur. Là, là. Puis on me dit, stop, arrête-toi. Tu sais, je ressens ça. Ok, alors je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la pizza d'hier soir? Et ça me dit, hey, allonge-toi, ferme les yeux et juste détends-toi. Puis j'étais fatigué. Je dis, mais ça, si je fais ça, je vais dormir. Alors je m'allonge sur mon canapé, je le fais, j'obéis. Et là, je ferme les yeux et je dis, Seigneur, bah, parle-moi, parle-moi. Et ça me dit, non, non, détends-toi, juste hey, ferme, reçois. Juste reste dans ma présence. Alors j'avais ce fond de louange et je ferme les yeux. Et là, tout d'un coup, je tombe comme dans un genre de demi-sommeil. Tu vois, c'est déjà arrivé. Peut-être que c'était mon état en ce moment. Et touche ton voisin, tu dis, hey, réveille-toi, c'est pas le moment de faire du soaking. Dis ça à ton voisin. Alors je suis là et je m'endors. Je suis dans un demi-sommeil. Et tout d'un coup, je me mets à rêver. Et Dieu me ramène. Quand j'avais l'âge de 4 ans, et à l'âge de 4 ans, j'étais à l'île de la Réunion, je vivais à l'île de la Réunion. Et là, Dieu me montre quelque chose que j'avais complètement enfoui et oublié. Je vois le jardin qui était juste en face de la maison où j'habitais. Et je vois le jardin de mon voisin, je vois, je me souviens, il avait des, et là, le Seigneur me rappelle, il avait des chèvres, des animaux. Et je me souviens du prénom de ce monsieur. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, tu comprends, 30 ans en arrière. Et je me souviens du prénom de ce monsieur, je revois tout ça à l'île de la Réunion. Et là, je comprends pas trop. Ensuite, Dieu me montre une autre image, toujours à 4 ans, à l'île de la Réunion. Je marche dans une rue et je me souviens de la rue, c'est là où habitait mon oncle. Et j'avais trouvé un bracelet. Et sur ce bracelet, il y avait écrit « Gordon ». Alors, je me réveille, je dis, tout ça me dit vraiment quelque chose, ça me parle. Alors, j'appelle ma mère, je lui dis, « Maman, comment c'était juste le jardin en face de chez nous, le voisin ?» Et je donne son prénom. « Est-ce qu'on le surnommait Loulou ?» Elle me dit, « Oui, c'est bien ça. » Je dis, « Est-ce qu'il avait tels animaux, le jardin ?» Elle me dit, « Ouais, c'est bien ça. » Je dis, « Hein ?» Alors, je lui dis, « Est-ce que tu te souviens, est-ce que j'aurais peut-être trouvé à 4 ans une gourmette sur laquelle était écrit « Gordon » Elle me dit, ouais, je me souviens, et je voulais pas que tu la gardes, etc. Je dis, ah, hein. Alors, je me mets à prier, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Parce que ce n'est pas un traumatisme, ni rien de ce... Et Dieu me dit, je veux te montrer que je connais chaque détail de ta vie, que chaque épisode de ta vie compte pour moi, parce que tu as une extrême valeur pour moi. Waouh! Je m'as pleuré dans la présence. Ah, Seigneur, tu m'as comme ça. C'est pas juste Seigneur, c'est Abba. Alors plonger dans la présence de Dieu, c'est pour l'intimité. C'est pour la relation. C'est pour une révélation de son amour. C'est pas juste pour la performance. C'est parce que Dieu t'aime et il t'aime à la folie. Il y a une femme, Catherine Kuhlman, une évangéliste, qui a dit ceci. Le Saint-Esprit est plus réel pour moi que tout être humain. Est-ce que vous aimez ressentir la présence de Dieu? Moi, chaque matin, je dis, Saint-Esprit, viens! J'ai besoin de ta présence. Et tu sais, il y a des moments, je dis aucun mot, rien du tout. Je dis juste, Saint-Esprit, viens! J'ai besoin de ta présence. Et j'ai appris à reconnaître la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est apprendre à écouter Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, moi, je sens comme une chaleur qui m'envahit. Et je sens sa présence qui est là. Je sens son amour qui est là. Et alors ensuite, je commence à prier et à parler et à demander. Mais jusqu'à ce que la présence de Dieu vienne, je ne fais rien. Alors on a besoin d'apprendre à accueillir la présence de Dieu, à recevoir son amour, juste pas être pressé à faire tellement de choses dans la vie, mais à recevoir l'amour de Dieu, recevoir sa présence, recevoir sa douceur. Waouh, waouh. Sarah Edwards qui a dit ceci, c'est la femme d'un grand homme de réveil. Je suis submergé par sa proximité à son égard. Par ma tendresse à son égard. Et là, il y a juste l'amour de Dieu. Je suis submergé par sa proximité. Dieu est plus réel et est plus réel pour toi que la personne qui est à côté de toi. La présence du Saint-Esprit veut être réelle, palpable, tangible dans ta vie. Tu as besoin de sa présence, de cette intimité, de son amour et de sa présence. Alors, on va finir. Comment vivre un temps de soaking? On va finir avec ça. Quatrièmement, comment recevoir, comment vivre un temps de soaking? Je veux être pratique, parce qu'il faut être pratique.
La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est qu'on a besoin de se positionner devant Dieu pour expérimenter son amour. Pas l'attente de production, pas du Seigneur, ok, donne-moi une parole parce que j'ai besoin pour mon job, ok, j'ai besoin pour peut-être mon futur ou ma future, dis-moi si c'est la bonne ou pas, Seigneur, ok? Seigneur, non, non, pas pour ça, Seigneur, c'est juste pour l'intimité, juste pour qui il est, pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est, pour sa personne extraordinaire. Alors c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Et ça nous parle, c'est une préfiguration de l'amour de Dieu avec toi. Dieu veut te connaître dans cette intimité, dans cette relation proche, dans cette connexion proche. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alors il faut se positionner pas pour produire, mais juste pour recevoir son amour dans l'intimité. Deuxièmement, c'est aimer Dieu tout son cœur. Ça veut dire quoi? C'est, écoute-moi bien, Dieu est amour. Alors, il faut passer du temps à l'aimer. Moi, je suis juste là à dire, hey, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Vous pouvez dire avec moi. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. J'aime ta présence. J'aime ta présence. C'est passer du temps à l'aimer. Et en fait, dans ces moments-là, tu sais, on a besoin de passer de l'information à la révélation. Tu sais que Dieu t'aime avec ton cerveau, mais tu as besoin que ça passe dans ton cœur. Le plus grand voyage pour l'être humain, ce n'est pas de la terre à la lune, mais c'est de la tête au cœur. Alors, tu as besoin que cette révélation descende dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes tripes. Tu as besoin juste de recevoir son amour, d'être convaincu par son amour. Dans ces moments-là, troisièmement, il faut apprendre à gérer ses pensées. Moi, j'ai mes pensées qui partent dans tous les sens. OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Il faut que j'appelle un tel. Il faut que je gère tel rendez-vous, etc., etc. Dans ces moments-là, tu sais, écris tes pensées. Écris ce que tu as, puis reviens. Oh Seigneur, je t'aime. Je reçois ton amour. Je reçois ta présence. Et si les pensées partent, ramenez-les focalisées sur Jésus. Certains disent ceci, hey, c'est la méditation, ça. Laurent, est-ce que hey, c'est du New Age? On ne veut pas de ça. On est chrétiens, nous. La différence et la grande différence entre la méditation New Age, yoga et plonger, soaking dans la présence de Dieu, c'est pas que tu fais le vide dans ton esprit, c'est que tu focalises tes pensées sur Jésus. C'est que tu focalises ton cœur sur son amour. C'est que tu appelles le Saint-Esprit. C'est que tu médites sur la parole de Dieu. Tu reçois sa présence et son amour. Ensuite, donc, tu gères tes pensées. Quatrièmement, tu prends du temps. Pas rapidement, 5 minutes, juste vite fait, 2-3 minutes sous la douche. Mais prends du temps dans sa présence. Mets de la musique, mets de la louange, prends un café. Apprécie sa présence. C'est quoi? Ma femme et moi, on a appris à faire quelque chose. C'est que chaque mardi soir, c'est notre temps, ok? Alors le mardi soir, j'éteins mon téléphone, tu peux pas me joindre. C'est notre temps en amoureux. J'aime le mardi soir. Quand c'est le mardi matin, je me dis, oh, vivement ce soir. Alors on est là, soit on fait garder les enfants, ou bien on les couche plus tôt, et puis on sort, ou bien des fois on fait juste à la maison, et là on discute, on échange, on ouvre notre cœur. Tu sais, c'est pas juste, ok, hey, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Et qui va chercher les cours, qui va chercher les courses au drive? Tu sais, c'est pas ça. C'est, au début, ça commence comme ça, puis après, tu sais, il faut du temps. Et après, hey, on parle de nos émotions. Tu vois ce que je veux dire? On parle de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On parle de ce qui nous fait mal. Des fois, on se demande pardon. On parle de nos incompréhensions. On parle des vraies choses. Tu comprends ça? Mais il faut du temps. Il faut du temps. Et il faut prendre du temps avec le Saint-Esprit. Il faut prendre du temps avec le Seigneur pour apprécier son amour. Ensuite, il faut être vulnérable. Le prix du soaking, c'est d'être vulnérable. C'est de s'ouvrir. Le Saint-Esprit aime quand on vient comme des enfants, quand on s'ouvre, quand on pleure. Quand on dit pardon, j'ai mal agi, quand on s'humilie, quand on relâche notre cœur, quand on dit Seigneur, j'ai mal ici, c'est douloureux, c'est quelque chose qui me fait mal, qui m'a brisé, viens me guérir, on a besoin de ça, on a besoin de la présence de Dieu. D'être vulnérable dans sa présence, Seigneur aime ça, et il vient nous rencontrer. Et ensuite, il y a réception. Après, tu reçois les choses. Tu sais, c'est pas que tu viens pour recevoir, mais tu reçois. Alors, Dieu parle comment? Il parle par les Écritures. Il parle par des impressions. Oh, j'ai une impression de choses. Il parle par des pensées. Il parle par des sentiments. Il parle par des images, par des rêves. Dieu te parle de tellement de façons. Moi, il me parle pas mal par des rêves. Il parle par des sensations. Il parle par des désirs. Et là, commence à écrire. Et les pensées de Dieu qui sont relâchées et téléchargées. Et Dieu te parle à ce moment-là. Et tu sais ce qui se passe? C'est que l'onction va augmenter dans ta vie.
La gloire de Dieu va augmenter dans ta vie parce que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Je vais finir avec ceci. Les musiciens, vous pouvez commencer à jouer. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir cette équipe? C'est tellement, tellement, tellement bon. C'est trop souvent. On oublie de demander à Dieu. On fait des choses toujours par automatisme. Alors, il y a quelques mois de cela, quelques semaines de cela, j'étais à Las Vegas pour un temps de conférence dans l'église ICLV, là où pasteur Paul et Denise Goulet sont les leaders. Et on était dans un temps spécial, c'était un temps où on priait pour la guérison. Alors ils ont dit, ok, trouvez quelqu'un qui est malade, les gens ont levé la main et allez prier pour une personne malade. Juste à côté de moi, il y avait une Française qui avait un problème au niveau de sa jambe. Alors, elle me dit, ça fait maintenant plusieurs mois, c'est horrible, j'ai des douleurs au niveau de la jambe et ça passe pas. Alors j'arrive, je dis, ok, ben on va prier. Alors, automatiquement, putain, je suis pentecôtiste, je pose la main et tu commences à prier, Seigneur, tu l'as guéri, la 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 la. Et puis j'arrive, je dis, hey, alors, comment ça va? Puis elle me dit, non, rien n'a changé. Ok. Alors je dis, on va reprier parce que je crois vraiment que Jésus veut te guérir. Et là, je vais poser ma main sur elle et je sens, moi, cet esprit qui m'arrête. Je dis, ok, alors, hein. J'enlève ma main, puis je me mets juste à un moment, tu sais, écoutez, écoutez. Puis le Saint-Esprit me dit un truc super bizarre. Il me dit, souffle sur son genou. Ok. Il me dit, prie pas, demande rien du tout, souffle sur son genou. Ok. Alors, je le fais. Alors, tu sais, tu fais un petit souffle. c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais le truc, c'est que dans la Bible, vous vous souvenez de ça, Jésus n'a pas souvent posé les mains sur les malades. Il n'a pas dit souvent au nom de Jésus, ou en mon nom, sois guéri. Tu vois ça? Ou, tu vois, il n'a pas dit au Père, guéri. Il a rarement fait ça. Des fois, il a fait des choses bizarres. Il crache par terre, il met de la boue. C'est dégoûtant, ça. T'imagines aujourd'hui, Jésus arrive, puis il prend. Est-ce qu'il y a des malades ici? T'sais, alors, Sandrine, elle dit non, il n'y a pas de malades ici, tu vois. Elle dit non, attends, moi j'ai toujours ma lotion hydroalcoolique, j'aime pas trop les microbes, les trucs comme ça. Des fois, je vous avoue, je me désinfecte les mains dès que je sors du métro, j'ai besoin de guérison intérieure. J'ai demandé à Eric et Rachel Dufour de travailler là-dessus, je pense que c'est un problème, traumatisme, je sais pas. Mais j'ai un problème avec ça, alors je souffle un peu timidement, puis ok, je souffle un peu plus, puis je lui dis. Ouais, tu sens quelque chose, une amélioration entre eux. Peut-être pas. Sinon, peut-être que Jésus va te guérir plus tard. puis elle dit, hey, et puis elle sourit. Elle dit, c'est bizarre, la douleur diminue. Je dis, ah bon, ouais, ok, oh, wow, gloire à Dieu. Eh ben, on va continuer. Alors, je souffre. Et puis, plus je souffre, elle me dit, ah, la douleur diminue, puis elle commence à marcher. Elle commence à courir, à sauter, et quelques minutes plus tard, elle était sur le stage devant 5000 personnes pour témoigner que Jésus l'avait complètement guérie d'une maladie, qu'un truc qu'elle avait au genou. Wow! Ça goûte bien! Ça, c'est présence de Dieu! Je suis pas capable de faire ça! On a besoin de sa présence! On a besoin de lui, d'entendre sa voix! T'as besoin de la puissance, mais t'as besoin de la présence de Dieu en toi. On va se lever ensemble, Emelka. Et je sens ce soir que Dieu veut télécharger sa présence. Alléluia. Alléluia. Jesus. Jesus. Alléluia. Merveilleux Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et juste ouvrir nos mains dans sa présence pour accueillir sa présence dans ce lieu? Car tu es le bienvenu pour recevoir sa présence au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Il y a des gens, je ressens ceci, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens, vous avez besoin d'être réconciliés avec l'amour du Père. Vous n'avez pas eu une bonne structure familiale.
Et lorsqu'on parle de papa, de Abba, de Dieu le Père, ça évoque en vous toutes sortes de choses traumatisantes et ça vous frustre et ça vous bloque. Mais tu as besoin de recevoir une dimension de l'amour de Dieu, que Dieu est relationnel, qu'il veut te rencontrer, qu'il veut te parler, pas simplement juste communautairement, mais que Dieu veut te parler personnellement. Il veut venir à ton rencontre, il veut te parler aujourd'hui. Tu as besoin d'une révélation de son amour. Dieu t'aime, il est pour toi, il est avec toi, il est pour toi, il est avec toi. Il est pour toi, il est avec toi, il prend plaisir en toi, il te regarde avec fierté, ses yeux brillent lorsqu'il te regarde, il t'appelle ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Et ce message reste particulièrement aux filles dans ce lieu. Si tu entends cette parole, juste lève ta main. Dieu veut te parler, l'amour du Père est là. Waouh, 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 waouh. Yes, 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 yes. L'amour du Père est là. L'amour du Père est là. Wow, chaque. Wow, wow. Et les gens ici, vous avez besoin de recevoir un nouveau téléchargement. T'es constamment dans le fer, mais c'est sec à l'intérieur. Il y a la sécheresse à l'intérieur. Et t'as besoin, comme Monsieur Éponge, de tremper dans la présence de Dieu pour recevoir son amour. Et t'en as marre, il y a des blocages dans ta vie. Tu veux recevoir sa présence. Tu veux qu'il te parle d'une nouvelle façon. Tu veux plonger dans la présence de Dieu. Juste t'entends ce message. C'est pour toi, juste tu lèves la main. 1, 2, 3, lève ta main. Tu vas entendre plus la voix de Dieu. Waouh. Yes, yes, yes. Lève ta main bien haut, lève ta main bien haut. Lève ta main bien haut. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alors je prie, Seigneur. Seigneur, pour un flot de ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, viens maintenant. J'appelle et je libère l'onction du Saint-Esprit dans ce lieu maintenant. Que ta gloire, Saint-Esprit, envahisse les cœurs. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Saint-Esprit, j'accueille ta présence dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Viens en moi. Envahis-moi. Remplis-moi. J'ai soif de toi. Faim de toi, waouh, juste continuons sa présence, continuons sa présence, continuons sa présence, waouh.
sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt, j'espère.